débat. Donc, chacun doit respecter le temps. Nous avons 10 minutes pour la présentation de la communication. On commence par Monsieur Yao Kouadio Théodore, qui est doctorant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc, il va nous présenter une communication qui s'intitule Études historiques d'un patrimoine bâti, le cas du bâtiment du commandant de cercle à Dim Bokro. Voilà, donc, Monsieur Yao Kouadio Théodore, la parole est à vous. Je vous invite à partager votre communication, l'écran, et vous avez 10 minutes. Allô? Oui, très bien, on arrive à voir la présentation. D'accord. Merci bien, Madame la modératrice. Je profite pour remercier le comité d'organisation et tous les membres de ce colloque. Voilà, comme vous l'avez signifié, mon étude porte sur le patrimoine bâti et il s'agit de mener une étude historique. Donc, l'étude historique d'un patrimoine bâti, le cas du bâtiment du commandant de cercle à Dimboko. La communication va se faire autour de quatre points. Donc, en premier point, je vais présenter le contexte et les objectifs de l'étude. Le deuxième point est lié à la méthodologie. En troisième point, je vais aborder les résultats de l'étude et enfin la conclusion. Donc, en ce qui concerne le contexte et les objectifs, voilà, nous partons du fait que le patrimoine bâti s'intègre comme élément vivant dans la trame économique et sociale des pays. Donc, il est un phénomène social qui ouvre des pistes de recherche et qui permet d'acquérir des connaissances et autres. Et je souligne aussi que le patrimoine bâti appelle à la pluridisciplinarité, donc ce n'est pas étreignable par une seule discipline. Donc c'est là le contexte. Et donc l'objectif de l'étude, c'est de voir comment l'historien aborde cet objet pluridisciplinaire, donc quelles sont les démarches de l'historien et quels sont les apports, ce qu'il peut apporter dans cette étude qui demande plusieurs compétences. Donc, en termes de méthodologie, nous avons choisi un bâtiment d'époque coloniale qui fait office de patrimoine culturel. Donc, il s'agit du bâtiment du commandant de cercle à Dimboko. Dimboko, c'est une ville de la Côte d'Ivoire fondée au XXe siècle et située à 240 km d'Abidjan. On y trouve des bâtiments d'époque coloniale qui constituent aujourd'hui un patrimoine important pour le pays et qui renforce le cachet historique de cette ville tout naturellement. Donc, pour l'étudier selon une approche historique, on s'est appuyé essentiellement sur des recherches dans des centres d'archives, sur un travail de terrain qui a permis d'observer directement le bâtiment et de faire quelques remarques et qui a permis aussi d'interroger des personnes qui sont, je vais dire, qui sont en rapport avec ce bâtiment, qui vivent au quotidien, qui sont dans la zone de l'étude. Voilà, donc. Les résultats ont permis de retrouver des données iconographiques qui montrent l'état originel du bâtiment. Donc, on voit la première photo indique la photographie du bâtiment et le deuxième est le plan du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc, on voit aussi. Et le deuxième plan, il s'agit du plan du deuxième niveau, du second niveau du bâtiment. En plus de ces données iconographiques qui montrent l'état originel du bâtiment, on a retrouvé des données iconographiques qui traitent de l'état actuel du bâtiment. Donc, toutes ces données permettent de faire une comparaison et de voir les modifications, aussi bien sur la forme que l'intérieur du bâtiment. Voilà. Et après les données iconographiques, nous avons trouvé aussi des données, je vais dire des tests, qui nous renseignent sur le mode de construction du bâtiment. Et avec l'observation directe et les enquêtes,
on a pu avoir une idée de la trajectoire que ce bâtiment suit depuis l'époque coloniale, depuis la fin de la colonisation, je vais dire, depuis l'époque où ceux qui l'ont érigé ne l'habitent plus jusqu'à nos jours. Donc, en termes de mode de construction, ce bâtiment est exclusivement construit avec des matériaux importés. La maçonnerie des murs, des piliers sont faites avec des latérites enduits à la chaux hydraulique et badigeonnés à la chaux grasse. Donc, tous ces éléments permettent de donner, contribuent à la résistance de ce bâtiment. C'est pour cela, à cause de ces différents éléments, à cause de ces matériaux, que ce bâtiment traverse le temps et qu'on voit qu'il arrive à résister malgré les intempéries aujourd'hui. Donc, en termes de qualité architecturale pour le confort, ici, on a mentionné qu'ils ont privilégié l'aération naturelle. Donc, on m'a dit que c'est une architecture bioclimatique qui a été mise en avant. Donc, ils ont privilégié l'éclairage naturel et l'aération naturelle. Donc, ils ont mis en place une architecture bioclimatique qui utilise les conditions de l'environnement naturel pour fonctionner. Et ils ont mis l'accent sur des matériaux de qualité, en fait, des matériaux qui permettent au bâtiment de perdurer. Voilà. Et en termes de trajectoire du bâtiment après la colonisation, le bâtiment a été réapproprié et donc a été au service de la sous-préfecture de la ville de Dimoko. Et donc, il a abrité les services de la sous-préfecture et le logement aussi, parce que le premier niveau était réservé au bureau et le second niveau au logement. Donc, voici la première transformation symbolique de ce bâtiment, de son appartenance au pouvoir colonial. On peut dire qu'après la colonisation, il devient un symbole du nouveau pouvoir dans cette localité de Temboko. Ben, cette appropriation s'est soldée par une mauvaise gestion parce que après, le bâtiment a présenté des failles qu'il fallait réparer, qu'il fallait rénover, mais il a été abandonné. Il a été abandonné parce que il y a eu, avec la fête tournante des indépendances, une politique qui a voulu que de nouveaux bâtiments soient construits dans la ville, que de nouveaux aménagements soient faits dans la ville. Donc, ce bâtiment a été abandonné, comme on peut le constater sur les photos 2 et 3 qui montrent l'état actuel de ce bâtiment. Voilà. Et donc, pour conclure notre étude, on a dit que l'étude du patrimoine bâti, en fait, si on peut dire l'historien du patrimoine bâti, a les mêmes approches que l'historien de façon générale. Donc, il porte son étude sur des sources précises, des documents iconographiques, des textes, des plans. Il procède aussi au repérage des modifications qu'on peut voir sur le bâti étudié et procède à des enquêtes orales afin de tirer des informations de la part de ceux qui sont en rapport avec le bâtiment. Donc, l'étude du patrimoine bâti selon la méthode historique, en conclusion, permet de connaître l'histoire du bâtiment étudié, aussi bien dans sa valeur historique que dans sa valeur contemporaine. Donc, on peut dire que c'est une sorte de monographie que l'historien apporte dans cette étude patrimoniale. Et cette étude peut permettre de ne pas agir n'importe comment en cas de projet de rénovation, en cas de projet de restauration, puisqu'on arrive à obtenir toutes les données, pardon, qui attestent des différents aspects du bâtiment. Et voilà. Donc, voici un peu la réflexion que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci à vous, Monsieur Théodore Yao Kouadio. Merci surtout pour le respect du temps. On laissera les questions et les remarques, etc., jusqu'à la fin pour le débat. Et maintenant, on passera de l'histoire à l'économie avec Monsieur Yapo Régis Vianney. Donc, qui va nous faire une communication qui s'intitule Impact des politiques actives de l'emploi sur l'inadéquation des compétences en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Yapo Andorézi Vianney, la parole est à vous. Je vous invite à partager votre écran.
Et vous avez 10 minutes. Merci, madame. Monsieur Yao doit Ah, ouais, oui, c'est vrai. Je viens de le faire. Merci. Ouais, merci, monsieur Théodore. OK. Bonjour, chers collègues. J'espère que vous voyez mon écran. Allô? Oui, clairement. Merci. Clairement, OK. Merci, madame la modératrice. Merci aux collègues. Le travail que je vais présenter s'intitule « Impact des politiques actives de l'emploi sur l'inadéquation compétence d'emploi des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire ». La présentation est structurée. Comme suit, je vais présenter la motivation et les objectifs de l'étude, la méthodologie utilisée, les résultats et la discussion des résultats. On note depuis les années 2000 une augmentation continue des dépenses d'éducation en Afrique. Et cela pour les États africains de s'aligner aux recommandations de l'UNESCO qui préconise que les États doivent attribuer en moyenne 4 à 6% de leur PIB à l'éducation de leur population et 15 à 20% de leur budget. Et cela, la Côte d'Ivoire n'est pas en laisse. On note une augmentation continue des dépenses d'éducation en Côte d'Ivoire. Dans l'enseignement supérieur, on voit que le budget consacré à l'enseignement supérieur est passé de 155 milliards en 2013 à 226 milliards en 2018. Et ce, au niveau aussi de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire, on note aussi une augmentation aussi des dépenses publiques d'éducation. Mais cette augmentation des dépenses publiques d'éducation induit une augmentation des diplômés sur le marché du travail. Et c'est la hausse des flux de ces diplômés-là n'est pas toujours anticipée par les politiques. Donc, ce qui crée des distorsions au niveau du marché du travail local, on offre une offre supérieure de diplômés à la demande des diplômés par les entreprises. On a plus de 300 000 diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail ivoirien depuis 2017, alors que le secteur formel ne crée que moins de 10% des emplois disponibles. Ce qui fait que le taux de chômage au niveau des diplômés du supérieur est très élevé, qui est de 9,17%, contre 2,9% qui est la moyenne au niveau du pays. On note aussi que 3 travailleurs sur 4 occupent des emplois vulnérables. Et cette distorsion provoque chez ces diplômés-là un allongement de la durée du chômage. Le sous-emploi et l'inadéquation aux compétences d'emploi. L'inadéquation, c'est quoi? L'inadéquation, c'est le fait pour un travailleur d'occuper un emploi qui n'a aucun lien avec son diplôme ou bien qui est en deçà ou au-dessus de son diplôme. En Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment noté, c'est que les emplois occupés par les individus sont majoritairement en deçà, en bas du niveau de diplôme. Et pour corriger ces défaillances, pour aider ces diplômés qui arrivent sur le marché du travail, souvent sans expérience, à occuper des emplois qui sont plus adaptés à leur niveau d'éducation, le gouvernement ivoirien a mis en place depuis les années 2012, depuis la fin de la crise de 2011, plusieurs programmes. On a le programme CDD Emploi qui est financé par l'Agence française du développement. On a le programme PRISE, qui est un programme qui lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, précisément à l'Ouest, qui est financé par la coopération japonaise. Et on a le programme PGDEC, qui est financé par la Banque mondiale. Et tous ces programmes concourent à l'amélioration, ils vont concourir à l'amélioration de la situation des jeunes sur le marché du travail. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. OK.
Donc, on note sur le marché du travail, après plusieurs années de mise en œuvre de ce programme, des résultats en vue. L'enquête réalisée par le Centre de recherche microéconomie du développement en 2018 sur la situation des diplômés sur le marché du travail montre un taux d'inadéquation très élevé qui est de 8 diplômés sur 10 qui occupent un emploi qui ne correspond pas à son niveau de diplôme. Alors que dans la littérature, les travaux ont montré que ce sont les pays qui octroient moins de ressources financières au programme actif du marché du travail qui connaissent des niveaux élevés d'inadéquation. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, beaucoup de ressources ont été octroyées pour la mise en œuvre de ces programmes-là, des dizaines de milliards. Et on voit que sur le marché du travail, on a toujours un taux d'inadéquation très élevé. Et d'autres études aussi ont montré que les politiques actives d'emploi ne sont pas toujours efficaces dans les pays où le secteur informel prédomine. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, on a plus de 80% des activités de l'économie ivoirienne qui sont informelles. Donc, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact du programme de mise en stage, qui est un programme, qui est un volet du programme PGDEP, sur l'inadéquation compétences des diplômés. On a, comme de manière spécifique, il s'agit de mesurer l'impact du programme de mise en stage sur le déficit des compétences des diplômés et mesurer l'impact du programme de mise en stage sur la surqualification des diplômés. Nous allons utiliser une méthode quantitative pour le faire. C'est la méthode d'appariement par le score de propension. Il s'agit dans cette méthode pour chaque individu bénéficiaire du dispositif de mise en stage, de trouver par la méthode par stratification ou par pondération, un individu non bénéficiaire ayant les caractéristiques observables similaires et de comparer leurs situations respectives. Pour cela, nous allons utiliser deux méthodes d'estimation. On a la méthode de stratification et la méthode de pondération. Et ces deux méthodes sont basées sur l'appariement par le score de propension. Et pour tester la robustesse de nos résultats, nous allons faire un test d'équilibre des caractéristiques de traitement des participants bénéficiaires du programme de mise en stage. Les données que nous allons utiliser sont les données d'enquête. C'est l'enquête réalisée par le CREMI en 2018 sur l'amélioration des politiques d'emploi dans les pays d'Afrique francophone. L'enquête a été réalisée dans plusieurs pays d'Afrique francophone, en particulier le Sénégal, le Cameroun, le Congo, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, l'enquête a couvert les grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, Kourougou, Tanteto, Yamoussoukro, Daloa. Nous avons pu enquêter 3478 jeunes, dont 941 bénéficiaires du programme mise en stage, 1040 jeunes témoins, d'ailleurs, ils ont postulé au programme mais n'ont pas bénéficié, et 1497 individus n'ayant jamais postulé programme. Comme résultat, nous voyons que le programme de mise en stage augmente la sous-compétence des individus, mais réduit la surqualification des individus. On note que quand les individus participent au programme de mise en stage, ils arrivent à acquérir plus de qualifications. Mais ils n'arrivent pas à acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça veut dire qu'en passant par ce programme, les individus se rendent compte qu'ils n'ont pas les compétences vraiment avérées pour occuper des postes d'emploi au niveau des entreprises. Mais le passage par cette mise en stage ne leur permet pas de combler ce déficit de compétences. Maintenant, lorsque on essaie de désagréger par sexe, on note qu'au niveau des hommes, le programme augmente la sous-compétence au niveau des hommes. Le programme réduit la surqualification au niveau des hommes, mais le programme réduit plus la surqualification au niveau des femmes, jusqu'à 13%, qu'au niveau des hommes qui est de 8%.
Donc, ça veut dire que le programme permet à ces hommes-là de se rendre compte qu'ils n'ont pas des qualifications, ils n'ont pas des compétences à gérer pour être à mieux apparaître aux postes d'emploi qui sont disponibles. Mais le programme ne leur permet pas de combler ces déficits comme je l'ai tantôt souligné. Et cela peut être expliqué par le fait que souvent, les bénéficiaires de ces programmes-là disent que souvent, quand ils postulent, on leur envoie en stage dans des entreprises souvent qui n'ont sur des postes d'emploi qui n'ont aucun lien avec leur formation de base, ce qui fait qu'ils ont du mal à occuper ces postes-là. Et aussi, lorsqu'ils sont en stage, leur maître de stage n'est pas toujours attentionné envers eux. Souvent, on les envoie payer des galets, des trucs. On leur confie des travaux basiques au lieu de leur confier des travaux qui vont leur permettre d'acquérir vraiment des compétences avérées. Et aussi, on note aussi des retards de primes de stage qui souvent découragent ces bénéficiaires-là à aller régulièrement en stage. Et comme recommandation, nous recommandons à ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de cette politique de mise en place, de corriger ces failles-là dans l'élaboration des prochains programmes, pour que ces programmes puissent avoir vraiment des impacts significatifs sur l'appareillement en termes de compétences et de qualifications. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Monsieur Yapo Andoré-Giviani pour votre présentation très riche et importante qui présente les programmes et les politiques d'emploi. Votre communication met en évidence également les limites de ces programmes. Je vous remercie. Donc maintenant, on passe à la prochaine communication de Monsieur Boukari Kassog, qui est docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée. Donc, professeur, il va nous présenter une communication sur les estimations de la composition des dépenses publiques agricoles sur la croissance de la valeur ajoutée agricole réelle du Mali. Professeur, la parole est à vous. Merci, Madame la modératrice. Comme vous l'avez su bien rappelé, le contenu de ce que j'ai à vous exposer concernant la composition des dépenses publiques agricoles sur la croissance de la valeur ajoutée agricole réelle du Mali. Alors, je me permets de vous soumettre dans un premier temps le contexte et la problématique, dans un second temps le cadre théorique et en troisième lieu la méthodologie de recherche. Enfin, je vais vous présenter en quelque sorte le recueil ou les résultats obtenus donc, de ce travail. Alors, le secteur agricole malien a connu plusieurs mutations, à savoir de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. À partir de l'indépendance en 1960, la production agricole était en direction des cultures industrialisées et en 1968, cette production a été révolutionnée pour conduire vers la production vivrière. À partir des années 1992, le secteur a été carrément libéralisé pour interpeller tous les producteurs à entreprendre toutes les activités agricoles. Et à partir des années 2005, le Mali a adopté la politique d'orientation agricole, comme pour dire que le secteur agricole malien a besoin d'être réorganisé, réorienté, afin que les dépenses publiques agricoles puissent mieux répondre aux exigences de ce secteur. À partir, donc, à l'issue des insuffisances donc, de cette politique d'orientation de 2005, alors, en 2014, le Mali a adopté une nouvelle politique, comme pour dire la politique de développement agricole, afin de mieux pallier aux insuffisances qu'on a retracées dans la politique d'orientation agricole de 2005. Alors, si nous regardons dans la panoramie en général, sachant bien que le Mali contribue presque 15% de son budget à l'agriculture
Donc, ce qui veut dire que le Mali va au-delà donc, du plan Mobutu qui demande la consacration, qui demande l'octroi de 10% de son budget. Donc, en tout cas, c'est un grand effort que le Mali, le gouvernement, a manifesté à partir de 2020 sous la gouvernance de la transition et également le gouvernement précédent. Donc, dans la globalité, le PIB agricole est davantage influencé par le secteur de l'élevage que le secteur de la production agricole. Donc, c'était imaginé jamais. Oui, c'était vraiment une des parts qui était la meilleure. Voilà. Donc, pour dire que très brièvement, le secteur de l'élevage impacte donc le revenu agricole mieux que ce qu'on appelle que le coton, l'or blanc du Mali est en tout cas un des porteurs ou encore vecteurs de richesse nationale. Donc, contrairement à ces résultats, donc dans le contexte, nous expliquons que le secteur de l'élevage apporte plus d'avantages, plus de valeur ajoutée donc, à l'agriculture que donc, la production végétale. Alors, finalement, quand nous essayons de voir cerner le problème lié au secteur de l'agriculture et plus précisément au secteur de dépenses publiques agricoles, selon Gardner, les Américains cernent le problème autour de deux, le problème agricole autour de deux symptômes, à savoir donc des dépenses, le revenu agricole très bas et la fluctuation de ce revenu, ce qui veut dire que les agriculteurs, selon Gardner, n'obtiennent pas ce qu'ils combinent pour y parvenir à trouver une valeur ajoutée. Selon les Européens, donc quant à Chanez, on constate que les prix sont très hauts et des dépenses publiques très énormes, ce qui veut dire que le gouvernement, selon les Européens, alors dans le cadre des Européens, le gouvernement octroie autant de budget pour parvenir à développer donc, ou sinon à concurrencer l'agriculture donc, du monde. Et en Afrique, selon Arigan, donc nous constatons qu'en Afrique, alors Arigan et ses alliés, nous constatons que les prix aux producteurs sont très bas et également des prix donc, à la consommation artificiellement gonflés. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, les différents gouvernements successifs octroient beaucoup de budget dans la production agricole, mais en termes d'accessibilité, la question est vraiment difficile. Ce qui veut dire que le prix au consommateur est artificiellement gonflé. Donc voilà un peu l'impact ou encore les différents problèmes qui sont liés donc, au secteur agricole et plus précisément la question des dépenses publiques allouées au secteur de l'agriculture. Donc, raison pour laquelle nous disons que malheureusement, la composition des dépenses publiques agricoles n'a pas permis d'atteindre la croissance escomptée, donc la valeur ajoutée agricole réelle, donc, au-delà de l'Afrique, aussi bien précisément au Mali. Alors, en termes d'accroissement global de la production agricole du secteur donc de l'agriculture, comme je l'ai dit, alors c'est vrai que certes, nous sommes en 2023, c'est vrai que les données sont un peu, disons, archaïques, on aurait mieux faire, mais pour l'instant, ce que nous disposons nous permet de dire qu'il y a une évolution erratique, ce qui nous a d'ailleurs permis d'essayer de voir alors, l'ensemble des enjeux qui nous permettent de mettre en exergue, dans un premier temps, la question de cesse, de savoir l'influence, la composition des dépenses publiques agricoles sur la croissance, la valeur ajoutée agricole. Quel est l'effet donc, des différentes dépenses publiques en direction de l'agriculture, donc, qui permettent d'améliorer la croissance donc, réelle de l'agriculture au Mali, en quelque sorte. C'était notre question donc, de recherche. En termes d'objectifs général, donc, c'est de parvenir à analyser l'influence des dépenses publiques agricoles sur la croissance, la valeur ajoutée agricole réelle. Quelle est la part la part optimale que l'agriculture apporte donc à l'état malien de manière spécifique. Donc nous avons évalué à court et à long terme l'incidence des politiques, ce qui d'ailleurs émane de l'État, donc ce qui d'ailleurs qui est lié à la question gouvernementale et plus précisément la question des dépenses publiques agricoles, voire à court et à long terme la croissance, la valeur ajoutée agricole réelle en premier temps, et en second lieu analyser la sensibilité, donc voir un peu l'impact donc, des investissements donc, sur la croissance, la valeur ajoutée agricole réelle. Au point de vue catégorique, comme je l'ai rappelé selon les Américains et selon les Européens et Arigan en Afrique, donc la situation actuelle des politiques agricoles a conduit plusieurs alors, économistes
oui, agronome, sociologue et homme politique à travailler sur la question et identifier les différentes causes et proposer donc des résultats donc différents les uns des autres. Donc voilà un peu et plusieurs autres, comme je l'ai dit dans un premier temps dans mon cadre introductif. En termes de méthodologie, pour y parvenir, nous avions alors adopté le modèle ADRL avec l'interface du logiciel Tata 2016, novatrice et qui est d'actualité pour y parvenir à mieux traiter les données que nous avions collectées et des données secondaires, comme je l'ai précisé. Okay? Bien, donc, notre échantillon comprend dans un premier temps la valeur ajoutée agricole réelle, les dépenses publiques d'investissement agricole, les dépenses publiques donc courantes utilisées dans l'administration en direction des services agricoles, la surface agricole cultivée, les équipements utilisés dans la production agricole et également la population agricole active. Donc, qui constitue nos cinq variables, en quelque sorte. Notre observation, donc, apportée de 1990 à 2016, soit 162 observations au total sur 27 ans. Donc, cette action concerne seulement les données agricoles donc maliennes recueillies dans la base de données donc, de la Banque mondiale, de la FAO, de l'OCDE, en quelque sorte, et de Countrystat. Pour y parvenir à l'estimation, donc nous avons envisagé, comme je l'ai dit, le modèle ADRL. Alors, ce modèle ADRL, nous avons tenté ADRL 4-4, donc est lié en fonction donc, des retards. Donc, ce qui veut dire que nous avions choisi les critères archaïques parmi plusieurs donc, critères statistiques pour déterminer la valeur donc, du nombre de retards du modèle retardé échelonné, c'est-à-dire la période maximale qui influence la série explicative, en quelque sorte. La fonction initiale, donc, à estimer, s'écrit sous la forme, comme vous le voyez, donc, dans la première reformulation numéro 1. Et nous sommes inspirés, donc, pour pouvoir réaliser ce travail, nous sommes inspirés d'un travail qui a été fait par FAO et sous la forme logarithmique, d'où on obtient, donc, LN, la valeur ajoutée agricole et réelle, plus, donc, alors, l'estimation, les paramètres du modèle, ce qui est AIT, et également donc l'estimation des erreurs du modèle, ce qui est epsilon IT. Donc, les autres variables sont des variables explicatives, en quelque sorte. Et bêta, donc, est l'estimateur donc, du modèle, qui permet de corriger donc, les biais, ou si vous voulez, donc, les erreurs, en quelque sorte. Alors, l'apport ou encore l'utilisation de ces données dans le logiciel Stata nous a permis dans un premier temps de saisir, de voir la stationnarité à niveau des différentes variables. Et nous avons constaté que nos données ne sont pas stationnaires. Et qui nous a permis dans un second temps de voir donc si les niveaux ne sont pas stationnaires, les données ne sont pas stationnaires au premier niveau, nous avons tenté de voir la stationnarité donc différentielle de premier degré, et ce qui nous a permis de dire que toutes les données sont stationnaires, excepté les données donc, des équipements agricoles. Et ces données sont stationnaires à la différenciation secondaire du niveau 2, ce que ça veut dire. Donc voilà, donc, et comme je l'ai dit, les données proviennent donc, de la Banque mondiale, de Countrysat, de la FAO. Donc, les équipements sont, donc, la stationnalité des équipements sont stationnaires donc, à différenciation seconde. À plus-value, comme vous le voyez dans le tableau, en quelque sorte. La détermination du nombre de retards, nous l'avons précisé, comment nous sommes parvenus à ADRL 44411 est lié donc au nombre de retards. Donc, de manière spécifique, voilà ce que nous obtenons comme modèle approprié pour y parvenir à mieux traiter et également qui nous a permis d'obtenir un certain nombre de résultats. Alors, beaucoup de tests ont également. Professeur, si vous permettez, oui. Il vous reste encore une minute, mais si vous pouvez mettre en avant les principaux résultats de votre recherche, si vous le permettez. Merci à vous. Donc, nous avons fait plusieurs tests pour voir la solidité, la robustesse du modèle, et voilà ce que nous avions obtenu. Un résultat, voici l'estimation en quelque sorte du modèle ADRL, en quelque sorte. Donc,
à court terme, les dépenses d'investissement dans le secteur agricole et les équipements agricoles sont significatives avec des effets négatifs sur la valeur ajoutée agricole, ce qui veut dire que les dépenses donc d'investissement et également les équipements donc, ont une influence négative. Nous constatons que le coefficient à court terme, donc les dépenses d'investissement, donc les dépenses courantes, la surface agricole, la population agricole active, les équipements ont un effet significatif sur donc le court terme. À long terme, donc l'estimation du modèle ADRL ci-dessus montre que les variables des dépenses publiques donc dans le secteur agricole au entier et les équipements agricoles ont donc une influence significative à 5% et ont un effet positif sur la valeur ajoutée agricole réelle. Donc, de ce fait, les dépenses dans le secteur agricole et les équipements agricoles ont un effet positif sur la croissance agricole, en quelque sorte, sur la valeur ajoutée agricole réelle. Je vais passer rapidement. Les équipements ont un effet également positif sur la croissance. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Merci pour cette présentation des politiques publiques agricoles. Vous avez aussi retracé leur trajectoire et pour ces résultats qui sont très importants. Avant d'ouvrir le débat, je vais faire l'appel pour les personnes qui n'ont pas été présentes. Donc, je reprends Monsieur Keke Dojo. Monsieur Keke Dojo, Mweniga. Je pense qu'il est absent. Madame Massana Doumessé. Madame Massana Doumessé. Monsieur Ouedraogo Tirago Rodriguez. Monsieur Ouedraogo. Il paraît que qui sont tous absents. Donc, on va ouvrir le débat pour le public. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des interventions, quelque chose peut-être à ajouter, si vous travaillez sur la même thématique peut-être. Donc, la parole est à vous si vous avez des questions à poser. Sinon, oui, Monsieur Yao Saturnin, la parole est à vous. Monsieur Saturnin. Oui, merci, chère madame. Alors, ma question s'adresse au docteur Yapo relativement aux compétences dont il a parlé dans son étude. Il a parlé d'une inadéquation de ses compétences avec les postes occupés, notamment les emplois. Alors, je voudrais savoir c'est quel type d'emploi il s'agit. Est-ce qu'il a une typologie de ces différents types d'emplois selon lesquels les compétences ne sont pas en adéquation quand les concernés sont mis en service ou en stage? Merci. D'accord, si j'ai bien compris votre question, ça concerne les types d'emplois, c'est ça? Et non pas les secteurs, les types, c'est ça, Monsieur Saturnin? Oui, absolument. Merci. Merci. Monsieur Yapo? Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Yapo? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Monsieur Saturnin demande les types d'emplois dont vous avez parlé lors de votre communication. Ok, merci au docteur Saturnin pour sa question. L'inadéquation de compétences dont on parle, c'est le travail n'a pas été désagrégé au niveau des types d'emploi. L'enquête, c'est que quoi? C'est une enquête ménage qu'on a fait avec la liste des bénéficiaires des programmes et des non-bénéficiaires. On leur a demandé si, au niveau de l'emploi qu'ils occupent, voilà, est-ce qu'ils sont capables de mener à bien les tâches qu'on leur confie. Est-ce qu'ils ont besoin d'un renforcement des capacités pour mener à bien les tâches? Est-ce que leur,
les connaissances qu'ils ont acquises au niveau de leur système, au cours de leur éducation, sont vraiment utilisées dans leur emploi. Et c'est en fonction de tout ça que nous arrivons à dire si un individu a les compétences requises pour occuper l'emploi ou il n'a pas de compétences requises pour occuper l'emploi. Maintenant, on n'a pas désagrégé au niveau des types d'emplois pour dire que, parce que quand on parle de types d'emplois sur le marché du travail, on a les emplois formels et on a les emplois informels. On a les emplois formels et on a les emplois informels. Les emplois informels, ce sont les emplois dont les titulaires n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas de congé payé. Les emplois formels, par contre, le titulaire bénéficie d'une assurance maladie et tout ça. Okay. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas désagrégé, comme il l'a dit, peut-être dans les recherches futures, on va essayer de le faire si. Puisqu'on a fait pour l'ensemble de tous les travailleurs, peut-être ce qui nous restera à faire, c'est de désagréger, peut-être utiliser seulement que les individus qui occupent des emplois formels et puis essayer de les comparer avec les non-bénéficiaires des programmes pour voir si vraiment c'est grâce au passage du stage là qui leur a valu à avoir ces emplois formels là. Mais quand on a fait les statistiques, on a constaté que les bénéficiaires occupent plus les emplois formels que les non-bénéficiaires, c'est-à-dire le programme leur permet vraiment, leur facilite l'accès à des emplois formels. Au niveau statistique, mais au niveau économétrique, lorsqu'on fait l'évaluation d'impact, on ne trouve pas des résultats significatifs en fait. Le programme ne permet pas à l'individu d'avoir un emploi formel, mais le programme oriente plutôt les individus majoritairement vers les emplois informels. J'espère répondre à la préoccupation du docteur Sachin. Merci. Donc, merci pour votre réponse. Monsieur professeur Boukari. Professeur Boukari, merci, la parole est à vous. Merci, oui. Madame la modératrice. Alors, je vais aller presque dans le même sens sur la question de l'emploi. S'agissant du niveau de diplôme, quelle est la place de la compétence du diplômé? Quelle est la place de la compétence? La place, la compétence réelle des diplômés, en fait, en quelque sorte. Déjà qu'il parle de compétences, alors quelle est la place, la compétence réelle des diplômés pour parvenir à obtenir un emploi du niveau d'études? Voilà un peu ce qu'il y avait de préoccupation. Merci. Merci à vous, professeur. Donc, la parole toujours est posée à M. Yapo. Monsieur Yapo? Allô? OK, j'ai pris note de la question. En fait, les compétences, l'individu, c'est les compétences lui permettent de bien exécuter les tâches qu'on lui donne lorsqu'il occupe un emploi. Mais malheureusement, nos systèmes, au cours des études, n'octroie pas des stages aux diplômés pour qu'ils puissent, au sortir du système, avoir des compétences requises pour occuper les emplois pour lesquels ils sont formés. Donc, ce qui fait que souvent, l'individu peut sortir du système, mais lorsque tu le mets à la tâche au niveau des entreprises, lorsque tu le mets à la tâche, il n'est pas capable de produire des résultats. Donc, en fait, c'est pourquoi... ce qui fait que ça provoque une durée de chômage très élevée au niveau de ces diplômés, surtout les diplômés de l'enseignement général, les diplômés de BTS, de licence, de maîtrise et autres. Mais cela n'est pas forcément le cas pour les diplômés de l'enseignement technique et professionnel, des CAP, des BT, parce que eux, au cours de leur formation, ils ont la chance d'aller en entreprise pour mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Ce qui fait que quand ils sortent du système éducatif, ils ont au moins des compétences qui leur permettent d'occuper des postes d'emploi disponibles, en fait. Donc, les compétences sont vraiment très importantes pour un individu, pour,
pour avoir un emploi qui est adapté à ses qualifications. Lorsque l'individu n'a pas les compétences requises, il est obligé de soit se vendre dans le secteur informel ou bien occuper un emploi qui n'a rien à voir avec sa formation de base. Et cela a pour conséquence un gaspillage de ressources au niveau des diplômés parce que l'État met beaucoup d'argent dans la formation des individus. Et puis après, tu occupes des emplois qui ne correspondent pas à ta formation. C'est comme si c'était des formations irrationnelles, en fait. Donc, je pense, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de M. Pokari. Bon, à peu près, ce que je voudrais savoir, c'est de citer quelques critères d'éligibilité. La compétence ou compétence requise. C'est ça. Est-ce que ce sont les critères qui permettent d'évaluer que tel individu dispose telle compétence ou encore voilà, c'est ça un peu voilà. OK. En fait, cela est décrit normalement dans le manuel d'enseignement le manuel de la formation des individus. Normalement, quand on crée une filière de formation, on doit être capable de dire qu'à la sortie de la formation, l'individu doit être capable de faire tant. Normalement, lorsque on le fait au niveau objectif, c'est-à-dire qu'on essaie de voir l'inadéquation de l'individu au niveau objectif, on prend ce manuel-là où on dit l'individu doit être capable de faire tant, et on va interroger ces individus qui sont en entreprise. Est-ce que vous êtes capable de faire tant. Lorsque l'individu n'est pas capable de le faire, ça veut dire que au sorti de la formation, il n'a pas pu acquérir les compétences qui sont décrites dans le manuel de procédure de sa formation. Maintenant, au niveau des employeurs aussi, ils ont, de manière subjective, ils sont capables aussi d'évaluer les compétences de l'individu au poste pour dire que tel individu, peut-être comme on le dit, qui est comptable, normalement doit être capable de tenir une ligne de compte, doit être capable de maîtriser les logiciels SARI qui permettent de faire des gestions des personnels et telle chose. Lorsque l'individu n'est même pas capable même de tenir un livre de compte, certainement, ça veut dire que l'individu n'a pas les compétences requises pour occuper les postes. C'est la même chose pour quelqu'un qui est informaticien, qui doit être capable d'entretenir un site Internet. Si l'individu n'est pas capable d'entretenir un site Internet qui correspond à la formation, qu'il a suivi, on peut dire que c'est parce qu'il n'a pas les compétences. Mais l'étude que nous on a menée, c'est qu'on l'a fait, c'est l'individu lui-même qui a évalué ses compétences par rapport au poste d'emploi qu'il occupe. C'est-à-dire lorsque l'individu est au poste d'emploi, lorsqu'on lui confie des tâches, quand il voit qu'il n'est pas capable, il est capable de dire qu'il n'est pas capable d'exécuter les tâches qu'on lui confie parce que c'est très difficile. Il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup appris à l'école. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire alors qu'on lui demande ça. Ça, nous, en tant que chercheurs, on est avec ça, avec ces affirmations de l'individu là, on est capable de lui dire que de lui dire qu'il n'a pas les compétences requises ou qu'il a les compétences requises pour occuper ses postes. Donc, c'est ce que je peux dire sur la question de ce vocal. Merci, professeur. Merci, monsieur Yapo. Monsieur Ouattara. Oui. Oui, la parole est à vous. Oui. J'ai une question pour docteur Kassogou. Pour? Docteur, dans votre intervention, vous avez parlé de la valeur ajoutée réelle des dépenses publiques dans le secteur agricole. Et vous avez signifié que les dépenses au niveau de la valeur ajoutée au niveau de l'élevage est plus importante que la production agricole. Donc, je voudrais savoir si l'on tient compte de l'ensemble des productions agricoles du Mali, parce que vous avez mentionné le cas du coton, mais lorsque l'on prend en compte l'ensemble des productions agricoles du Mali, est-ce que la valeur ajoutée de l'élevage est plus importante que la valeur ajoutée de la production agricole? Merci.
Monsieur Ouattara. Merci, Monsieur Ouattara. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre... Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, est-ce qu'il faudrait revenir sur sa question? Il n'a pas bien saisi. Monsieur Ouattara, allez-y. Allô? Il n'a pas bien saisi votre question. Votre question, ça concerne normalement la valeur ajoutée. Je parle de la valeur ajoutée au réel dans le secteur de l'élevage. Voilà. Est-ce que lorsqu'on tient compte de l'ensemble de la production agricole du Mali, au-delà du coton, le riz, la hache, et puis d'autres cultures, bien évidemment, lorsqu'on tient compte de l'ensemble de cette production agricole, est-ce que la valeur ajoutée réelle de l'élevage est plus importante que la valeur ajoutée de l'ensemble de cette production agricole? C'est clair. Donc, sa question, ça concerne l'élevage. Est-ce que la valeur ajoutée réelle de l'élevage est plus importante? Moi, par contre, j'avais une autre question qui a également, il y a également un rapport avec la valeur ajoutée réelle. Moi, ma question, si vous permettez, bien sûr, professeur, c'est comme ça, vous allez répondre aux deux questions à la fois. Lorsque vous vous dites valeur ajoutée réelle, est-ce que ça a une relation? Avec quoi? Est-ce que ça a une relation avec l'économie? C'est-à-dire, ça va y avoir une valeur ajoutée économique ou bien c'est plutôt social? C'est-à-dire, il y a un certain développement des gens, il y a un changement peut-être de statut, etc. Donc, c'est ça ma question. Et en plus, Ouattara pose la question concernant l'élevage. Est-ce que l'élevage a une valeur ajoutée qui est réelle, plus importante que les productions agricoles? Ok, merci Madame la modératrice. Merci Monsieur Ouattara. Je m'en vais attaquer d'abord à la question de Monsieur Ouattara. Oui, la composition de la valeur ajoutée agricole et réelle dans sa globalité est de 35%. Maintenant, si nous faisons une distinction entre la production animale et la production végétale, la statistique nous donne que la production animale, la valeur ajoutée réelle, la production animale dans sa globalité est plus importante que celle de la production végétale. Donc, ça, c'est dans sa globalité. Donc, ce qui veut dire que le secteur de l'élevage est beaucoup plus important en République du Mali que le secteur de la production végétale. Comptant tout ce qui s'ensuit, l'ensemble des questions vivrières, des questions, tout ce qu'il y a, comme sylviculture, tout ce qui. Voilà, en gros. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des Maliens ou encore en général pensent que on ne connaît que le coton, qui apporte une devise qui est reconnue sur le plan mondial que le secteur de l'élevage qui apporte la valeur ajoutée agricole réelle. Donc voilà, par rapport à votre question, M. Ouattara. Donc ça c'est bien. Que la valeur ajoutée agricole de l'élevage est beaucoup plus importante. Monsieur, Madame la modératrice, la valeur ajoutée agricole et réelle est une valeur dépendante. Ça veut dire qu'on l'explique à partir des autres variables. OK? Donc, elle est expliquée ou sinon, elle est expliquée à partir des autres variables qui sont les dépenses publiques d'investissement dans le secteur de l'agriculture, les dépenses publiques courantes, c'est-à-dire que les dépenses, le salaire, la prise en charge des ressources humaines, tout ce qu'il y a comme équipement bureautique, mobilier, qui sont dans le service de l'agriculture. La superficie agricole réelle, l'ensemble, la superficie ensemencée en République du Mali et qui concerne ici précisément, dans mon cas, les riz, qui est une culture vivrière, le mil, qui est aussi une culture vivrière, mais contrairement au riz, le mil est une culture qui n'est pas exposée à la compétitivité. Ça veut dire qu'il n'est pas un secteur exposé. Par contre, le riz est exposé à la compétitivité sur le marché mondial et sur le marché national. Parce que nous avons du riz qui vient de l'Indonésie, de Guatemala, tout ce qu'il y a. Donc, il faut que. Et en plus, nous avons également choisi le coton, qui est aussi à la fois une des cultures, en tout cas pour parvenir à faire notre régression
et pour expliquer la valeur ajoutée agricole à partir de ces éléments. Le troisième point, le quatrième plutôt, s'agit des équipements. Quels sont, c'est-à-dire nous devons inventorier l'ensemble des équipements, à savoir par la traction, la charrue, les tracteurs, le motoculteur, donc, nous ont permis donc, d'inventorier l'ensemble des équipements utilisés en République du Mali et pour expliquer donc, leur part, leur sensibilité sur donc, la valeur ajoutée agricole réelle, sur donc, le bénéfice donc, qui nous permet continuer obtenu, en tout cas à partir de ces cinq éléments qui expliquent la valeur ajoutée agricole réelle. Il y a aussi la population agricole active, l'ensemble donc, des personnes actives qui interviennent dans ce secteur. Donc voilà un peu comment nous avions fait la régression pour expliquer donc, la question de la valeur ajoutée réelle. C'est vrai que ce ne sont pas les seuls données, mais en tout cas, parmi plusieurs variables, nous avons trouvé pour y parvenir à faire la régression. Ce sont ces éléments qui répondaient à nos critères, donc qui étaient, comme vous l'avez vu dans nos résultats, nous avons rejeté certaines de nos variables parce que ça nous faisait, il n'était pas stationnaire à degré, au troisième degré ni au quatrième degré, donc nous avons écarté. Pour l'instant, nous avons donc ces cinq éléments qui expliquent donc, l'importance, le poids, l'impact de la valeur ajoutée agricole en République du Mali. Merci, madame. Merci, voilà, professeur. Comme résultat, comme explication. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, professeur. Donc maintenant, on va donner la parole. Il nous reste deux autres communications. On va commencer par docteur Ouedraogo Tirago Rodriguez, qui vient de se connecter et qui est doctorant en macroéconomie du développement à l'Université Thomas Sankara. Alors, il va nous faire une présentation sur une communication qui s'intitule « Structure des dépenses publiques et accès au crédit du secteur privé, rôle de la dette publique domestique ». Donc, Monsieur Ouedraogo, la parole est à vous. Je vous invite à partager votre écran. Vous avez 10 minutes pour la présentation. Également, après Monsieur Ouedraogo, nous aurons une autre communication de Monsieur Rondria Lamadi. Donc, je vous demande de se préparer. Alors, Monsieur Ouedraogo, la parole est à vous. Monsieur Ouedraogo? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, clairement. Je vous invite à partager votre communication. Excusez-moi, oui. est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes? C'est pas le PowerPoint, la communication qui devrait présenter. Je dois l'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, Monsieur Ouedraogo, on va vous laisser vous préparer. Donc, vous avez 10 minutes. Je vous invite à partager votre écran. C'est bon. La parole oui. est à vous. Est-ce que vous trouvez le partage d'écran à ce moment-là? Oui, très bien. Ok, je commence. Allez-y. Oui, merci. Bonjour, chers collègues. Donc, je vous bien de ravi de se rencontrer. Chers collègues présents sur le Zoom, j'ai choisi le sujet impact de la corruption sur la valeur des diplômés et employabilité à Madagascar, cas de Madagascar. Ce sujet est choisi par une chose très claire que nous trouvons sur le contexte général. Madagascar devient classé à 147e rang mondial sur la ligne de corruption. Ces places-là qui met nous chercheurs de connaître quel est le problème face à ces néfastes corruptions. J'ai choisi la problématique de mon sujet. Une grande partie des jeunes sortant de l'université se rencontrent avec une contrainte de crédibilité dans l'environnement de travail. L'objectif de ce thème de
évaluer les enjeux de la corruption dans l'employabilité des jeunes diplômés universitaires en Afrique, afin de définir des perspectives pour le cas de Madagascar. Pour arriver d'analyser ces thèmes-là, on va mettre la méthode collecte des données sur l'enquête auprès de 280 personnes. Ces données-là, on va traiter et analyser sur le base des Word, Excel et SPSS. Ces données donnent trois résultats. Le premier résultat est de jeunes diplômés et chômage. Plus de la moitié des chômeurs a terminé leurs études en niveau supérieur. Cette densité est expliquée par des différents paramètres dépendants ou indépendants des enjeux entre incrédibilité par rapport aux diplômés, le manque d'expérience et aussi le rare des offres d'emploi. Selon l'OIT, donc 3 personnes à 5 en Afrique sont des jeunes. Mais on va trouver les taux de chômage très, très amplifiant. Cela nous donne, à la contexte général, une type de valorisation de la ligne de corruption sur l'employabilité en Afrique. La suite. Monsieur Randy Alamal, est-ce que vous... Monsieur Ouédraogo, est-ce que vous avez votre communication, la bonne communication devant vous? Monsieur Ouédraogo? Oui, excusez, je suis pas encore, je n'ai pas encore retrouvé mon PowerPoint. Je l'avais blanché dans les... Comme l'a dit la collègue Madame Wafa, nous reprenons dans 15 minutes. Avec le panel de Monsieur Docteur Akafuyao Saturin, le panel 14. Le temps pour nous de souffler 15 minutes et nous revenons. Est-ce que ça vous va comme ça? Nous revenons dans 15 minutes à 30. Le temps pour nous de prendre un café. Voilà. Très bien. D'accord, bon. Professeur, merci. Voilà. Donc, connecté pour la suite. Merci. Oui, OK. Merci, professeur Ghislain. Merci.
Oui. Les gens que j'ai dû quitter et jamais abandonner, je ne sais si ils sont face à la nuit tombée. Vous pensez à mes amis, j'ai laissé